On va où aujourd'hui? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ben, on va en rando, mais où? On va aux aiguilles de Ah oui, c'est vrai. Marbelle! Ah, t'as choisi celle-là. Ok. Donc, gros dénivelé au départ. Il y aura peut-être des moments où on devra pousser le vélo. Ouais, non, en vélo, ça passe pas. Je vais vous dire que de... Oula! Allez, à tout à l'heure! On va faire du vélo? T'es prête? C'est parti! Aujourd'hui, on rigole pas, y a pas Kiko. Du coup, on sort le canyon. Oui, ça va être trop facile pour lui aujourd'hui. T'as vu ce qu'il y a pas Kiko? Non, pas... non, c'est surtout que t'as un super j'ai 20, vélo là. J'ai 20 kilos de moins sur mon vélo. Forcément, ça aide. On va promener. Ouais. Voilà, le chien fou. Présent a oublié de dire que Kiko était pourquoi à l'école aujourd'hui. Pourquoi tu dis mon nom et mon anonymat? Parce que c'est Vendor Family. Aujourd'hui c'est repos, détente, oui, du jour coup, de repos. On va faire du sport. Ouais, super. Le monde pharo. Donc là, je. C'est mon repos. On est mince. Regarde Choupi, une montagne, qu'est-ce que c'est? Alors ça, du coup, c'est le coudon. T'es sûr? Oui. Ah oui, il y a le petit coudon et le grand coudon. Les années. Du coup, ça y est, j'ai 20 ans que j'habite ici et je sais toujours pas le nom des montagnes. Ce que j'aime bien avec le soleil le matin et le soir, c'est qu'on voit que les vélos sont toujours accrochés. Voilà, le mont Faron. Toujours pas, non? Mais. C'est le coudon! Ah, mais... Ça fait trois fois que je lui dis. C'est le coudon! Le mont Faron, il est là-bas! C'est le ravitaillement! Tu prends un dessert? Oui! En chocolat, gâteau, croissant. Pas grand monde! C'est parti pour les aiguilles de Valbelle. Alors, pour vous montrer un petit peu le dénivelé, à quoi ça ressemble. Donc, grosse montée dès le départ, et après casse-croûte, et descente, descente, descente. Petite montée, descente, descente. Donc, un programme plutôt sympa. J'aime bien si ça a vraiment un petit côté forêt enchantée. C'est vraiment beau. Ah ouais, de toute façon là c'est monté. Alors Marc, ça va nous réchauffer parce que il fait frais là. Il fait frais mais on va pas avoir froid longtemps. Il fait trop froid. Il fait trop froid, il fait 15 degrés. Tu vas te mettre à dos tous tes ancêtres du nord. Après il faut l'aborder à la cool. On remarque là on va pas vite, hein. Je pense que ça se voit à la caméra. On monte comme des petits escargots. Mais on monte. Ce serait plus facile. Et vous allez monter tout en haut, là-haut? Bah, je sais pas jusqu'où on va, mais... On va essayer d'aller jusqu'au... Bah, c'est les aiguilles, on va aller voir les aiguilles.
Yuka. Yuka, bonjour. Bonjour. Voilà, fais le bisou. Bon, mais bon courage. Hein. Bah, merci. Bonne Allez, bonne balade. Allez, bonne journée. À vous aussi. Je te monte dans les cailloux. Faut pédaler. On est plein soleil, ça fait du bien. Et on est toujours dans le dénivelé. C'est combien de temps là? Ça fait une heure presque? Non. Pas très vite, comment ça? Je sais pas si vous avez entendu, mais elle a dit c'est tout ce qu'il faut pas faire sur un vélo, rester assis sur la selle. C'est bien, moi, elle en est consciente. Après t'es capable de quand tu... Oh la pierre. Bon, on rappelle que t'as quoi? T'as peut-être 3-4 sorties en VTT? Oui. On est débutants de toute façon, hein. Et puis t'as vu nous ce qu'on a, quoi. Enfin, il y a des carrières. Ça rend pas la caméra, on dirait que c'est plat. T'as... Ah mince. Oh mais non, c'est bien raide. Bien raide et plein de carrières. Ça y est, c'est vélo. En gros, ça se montait ça. Non, parce que je sais que juste après, c'est encore raide. Ouais, non, vélo, ça passe pas. Elle prend la pause. Ah, du plat. J'ai pas une bonne nouvelle, Choupi. On s'est trompé de chemin. J'ai pas une bonne nouvelle. On s'est trompé de chemin. Ah, la tête. S'il faut remonter. C'est vrai? Allez, on remonte. Je suis en déprime. Là, ça se transforme en rigetti. Là. Ah oui, faut porter le vélo en fait. On est en escalade rando. Voilà mes jours de repos, enfin mon seul jour de repos de la semaine, je précise. Mais je suis obligée de suivre mon homme. Je coupe dans ces délires de VTT. Allez, je coupe. On est toujours dans la montée infaisable en vélo. Je vais vous dire que de. Oula! Je me suis accroché le casque dans la branche et tout comme ça. Ben c'est pas ça, c'est que j'ai mis mon pied là-dessus. Ah, j'ai vu. Ça va, ça rien fait. C'est voir sous la vue. Ça a l'air d'aller. Bien sûr que tu es en train de me filmer, je suis sûr. Ah oui, je filme là. Super. J'ai tous les bons moments. En plus, ça va être un beau bleu encore à mon mollet. Nous, on fait des nostern à pied. On se fera une pause café en gros. Un petit café pour madame. On va lui mettre le pied harnais. Et on prie qu'elle casse pas la caméra. Oh là, tes grandes oreilles. On va tester comme ça. Les grandes oreilles de poupille. Prions pour la caméra. Oui.
Viens ici, Yuka. Il est temps de démarrer. C'est beau, et là, ah, et la forêt. Ah, et enfin du plat. Enfin, on peut être sur le vélo. Du coup, on a fait 515 mètres de dénivelé. Sauf qu'on m'avait dit 420. Et qu'en plus, on a encore une petite montée à la fin. Je pense que ça va être à peu près du 600 mètres de dénivelé. Donc, pour vous dire encore que... On m'a menti, comme d'habitude. Il y a toujours plus de dénivelé, il y a toujours des petites montées cachettes. Je suis debout. Oh là là, mon Dieu, super. Alors, faut savoir qu'ici, il y a toujours des pièges, des cailloux, des branches. Ça fait peur. Moi, je suis un peu trop trouille, hein. Du coup, il m'a dit les pieds en avant, les fesses en arrière, mais je suis pas tranquille quand je suis pas assise sur ma selle. J'ai l'impression que je peux tomber, puis je fais des gros coups de frein. Mais, ah ouais, non, j'aime pas. En fait, moi, il faut que je m'assoie, mais je sais que c'est pas bien, mais j'ai un peu moins peur comme ça. Peut-être quand je serai un peu plus sûre de moi... Je pourrais le faire, mais là, en plus, là, c'est vrai qu'il y a bien plein de branches. Pour un peu de sable. Oula. Alors là, heureusement que vous ne voyez pas ma tête. J'ai une tête de pas tranquille. C'est une aiguille. Pourquoi tu prends l'accent belge pour dire les aiguilles de Valbel? Je sais pas, Valbel. Alors qu'en fait, c'est d'ici. Ça sonne bière belge. Les aiguilles de Valbel. C'est Valberg. Non, Valberg, non, c'est Valbel. La marque électrodépôt. Elle est belle, la colline derrière. La colline. Hein. Mais je sais, mais... Non, parce que t'es devant. Bah, je peux. C'est beau, c'est super joli. Un petit hommage à Jeff, youtubeur qu'on aime bien.
Elle est belle, ça. Hein. Ça aurait été mieux le pique-nique, là. C'est notre malédiction, ça. Dès qu'on choisit un coin pique-nique, 10 minutes après, on en voit un plus beau. À droite. Ah, ça fait du bien, un peu de descente, là. Fatigué. J'ai filmé parce qu'il y a des gens louches devant. Ça, si on disparaît. Bonjour. C'est des moines du. Ils m'ont lancé un regard. Je crois qu'ils m'ont un peu jugé. Avec la. Ah, toi, ton souris? Oui, ouais, on fait un petit regard en coin. Ah, la caméra, du coup. Ouais, la caméra, le vélo. Je suis un matérialiste, quoi. C'est moi et mon souris. J'en ai un de dire Ventoux et rejoins-nous dans le monastère. Bonjour. Alors, il paraît que la nuit, il se balade avec des bougies. Et des grands chapeaux pointus. C'est des couples. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que tu vas dire comme que... Ah, Gandalf. Moi, j'étais sur le Perforas, mais j'ai pas osé la faire. Gandalf. Tu sais que pour ce genre de blague, tu peux brûler en enfer jusqu'à la fin des temps. On se moque pas des religieux. Excusez-nous d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo. Il n'y a aucune chance que vous voyez cette vidéo, mais si vous la voyez, pardonnez-nous, nous ne sommes que des pêcheurs. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ils sont les deux derniers. En fait, toutes les 15 minutes, ils en lâchent deux. Hein? Toutes les 15 minutes, ils en lâchent deux. Ah, c'est pas beau, c'est toi qui vas bouger dans mon. Ouais. Ouh, que c'est beau. Du coup, là, on arrive à la Chartreuse. D'où viennent les moines qu'on a vus passer. C'est super joli ici. La coupette, elle est cuite. Oh, elle est soif. Oh, grande soif. Goudron, oui, descendre goudron. Bon, je freine quand même un petit peu. Petit hôtel. Bon, fin de la vidéo.
C'était comment? C'était génial. C'était dur. C'était génial. Allez, bisous tout le monde. Bisous. De la papate. La papate. Lucas. La papate. La papate. Ah.